Voilà. Le numéro 38, donc, qui est bel et bien mâle, Valentino Pavan, 28,71% de sang rare, présenté par la CRL Delmas Barrère. Carmen ici présente avec son mari. William Batz. Ragtime Pontadour et Unica de Pavan. Alors, très bonne Unica de Pavan qui a été deuxième battue l'année dans le critère des Poulies Jaloux Ennemis, à Mont-de-Marsan, qui a gagné tout la barrière de Tarbes. Et qui est la propre sœur de Bénévolo de Pavan, le champion Bénévolo de Pavan, Palaverco, 12 victoires. Voilà, donc ça, c'est quand même le neveu d'un champion trop tôt disparu, Bénévolo de Pavan. On va voir donc, ce neveu au pas. Et pourquoi je précisais que c'est très important de dire qu'il était mâle et non ombre, tout simplement parce que ce cheval peut avoir un profil des talons. Il va passer sa première épreuve officielle aujourd'hui en passant sous une fourche codée des juges. Emmanuel Clayeux, Xavier Lorette et Alain Storm. De Ragtime Pontadour qu'on va voir en trop, qui est donc le neveu de Bénévolo de Pavan. Premier produit de Unica de Pavan qui a eu, après Ragtime Pontadour, Pontadour a eu la chance de visiter Saint-Dessin pour avoir une femelle en 2015. Aujourd'hui, après, dans l'enregistre d'Angoara avec Paul Lézard de Colombe, on a eu un mâle, justement.